Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end. Donc, quelles vont être les énergies du week-end du vendredi 28 août au dimanche 30? On va aller voir ce que ça nous dit, surtout qu'on a la pleine lune qui arrive le 1er septembre. Pleine lune dans le signe du poisson, où ici on vous parle de balance entre la spiritualité et le côté pratique. Donc, on a de notables l'entrée de Mercure dans le signe de la balance aussi. Donc, on va parler d'équilibré, de communication. On va parler aussi de décision en termes de communication. Ce qu'on va décider, on va l'exprimer. Et puis, l'entrée de Vénus dans le signe du lion, donc le lendemain, le 6 septembre. Donc, ici, il va y avoir de la passion, un regain d'énergie du côté de l'amour, du côté de la passion. Donc, on va aller voir aussi ce que ça nous dira sur le plan sentimental. Je vous rappelle que vous avez les vidéos, donc les signes qui vont recommencer, et j'ai divisé en deux parties, donc la partie générale d'un côté, la partie sentimentale de l'autre. Donc je vous laisserai découvrir tout ça, n'hésitez pas en commentaire hein, de ces vidéos à me donner vos ressentis. Donc on y va pour vous qui regardez la vidéo, quels sont les messages? On a resté dans la course. Ici, il y a vraiment cette énergie de jouer, hein. On a d'ailleurs le jeu. Amusez-vous, célébrez, ne soyez pas si sérieux que ça. Donc là, on est dans une énergie vraiment d'amusement, de rester vraiment collé à ces énergies, d'observer d'ailleurs, je vous montre, d'observer ces zones d'inconfort, là où on hésite, là où on est indécis, de regarder un petit peu ses doutes pour savoir où est-ce qu'on manque de confiance, où est-ce qu'on doit eh bien, changer et nettoyer. Donc, en termes de mémoire cellulaire, qu'est-ce qu'on va opérer comme changement? On a aussi l'énergie se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper, te protéger, et n'oubliez pas, eh bien, amusez-vous entre-temps. Dans la Good Karma Box de Stéphanie Abellan, il y a deux cartes qui sont sorties, j'ai décidé de les garder. On a une carte d'inspiration. L'authenticité requiert du courage. Elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité, ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait la différence en ce monde. Vous êtes vous. Et puis, on a en pensée de reconnexion, peu importe avec quelle intensité vous tombez au sol, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc ici, voilà, il y a des choses qui sont... Alors, on a le paradoxe, l'hors-la-loi, on a la sagesse, on a la confiance, on a la souveraine. Il y a une prise de pouvoir aussi hein, qui s'opère. Comme je disais, au niveau de l'amour, on a Lion qui s'invite dans la planète Vénus. Donc, il va y avoir vraiment un regain de passion, un regain de confiance. On décide et on l'exprime avec l'entrée de Mercure dans le signe de la balance. Ici, on a les acquis, les ressources, les talents, la fluidité, l'expansion amoureuse avec le hors-la-loi. Donc, on va aller en dehors aussi des sentiers battus. On va aller chercher d'autres ressources. On va aller exprimer ses talents. On va les exprimer d'une manière dont on n'a pas l'habitude, justement. Avec le hors-la-loi, ça fait penser au Far West, c'est-à-dire de découvrir un nouveau monde, d'aller vers quelque chose de peut-être hostile de premier abord, mais qui va s'avérer justement plus payant que si vous étiez resté dans votre zone de confort, dans votre zone... voilà, de sécurité. Ici, on parle d'aller chercher aussi d'autres ressources par des manières ou des moyens inconnus, voilà, et ça vous permet justement d'être dans l'expansion harmonieuse. On a la sagesse avec la maison 3 des Gémeaux, ici on parle d'échange, donc vous allez communiquer, vous allez exprimer, vous allez découvrir aussi de nouvelles choses, mais vous allez surtout le faire sous l'égide de la sagesse, pardon, c'est-à-dire que vous allez exprimer vos idées de manière douce, de manière subtile, avec parcimonie, avec gentillesse, avec bienveillance et aussi avec diplomatie. Donc là, dans les communications, il y a cette notion de vous servir de votre expérience pour communiquer vos idées, pour communiquer vos envies, pour communiquer ce que vous avez découvert ou ce que vous avez envie d'apprendre. Dans les échanges, en tout cas, il y a une forme d'harmonie ici avec la maison 3 des Gémeaux.
On a l'art et la manière d'exprimer, on a la subtilité, on a aussi la vérité, puisque on va exprimer sa vérité avec sagesse et avec confiance, puisque avec cette carte, on est dans la maison 5 du lion, et on a les énergies, les signes mutables, pardon, donc avec Gémeaux, Poissons, Sagittaire et Vierge, ajuster, amener la transition, apprentissage, et la créativité, les enfants, l'amour, les loisirs, les plaisirs. Donc c'est ça aussi hein, qu'on vous disait, amusez-vous, célébrez, ne soyez pas si sérieux. Donc là, ayez confiance, ayez cette énergie, c'est comme si un petit peu la roue tournait vers quelque chose, c'est comme une transition, voilà, avec les signes mutables, vous êtes en train de justement basculer et être emmené dans cette transition. Donc là, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, de vous servir de votre expérience pour communiquer vos envies, de sortir des sentiers battus, et là, vous êtes amené devant un paradoxe, c'est-à-dire, quel est... Justement, alors le paradoxe, ça peut être une remise en question, c'est aussi un réalignement, un réajustement, c'est-à-dire que là on a la boussole, carrière, position sociale, réputation, ambition, où est-ce que vous allez mettre vos énergies, quelles sont vos véritables intentions, et justement la pleine lune va mettre en relief vos intentions, vous faites le point, hein, c'est le but de cette pleine lune dans le signe du poisson, donc en écoutant vos émotions, votre intériorité, votre sensibilité, les messages aussi de vos rêves inconscients, ça va être des synchronicités. Vous allez justement mettre en relief, mettre en lumière grâce à la pleine lune ce dont vous avez envie, vous éliminez justement les choses qui ne vous servent plus et qui vous font obstacle dans la réalisation de vos projets, de vos envies et surtout des intentions que vous avez posées dernièrement, donc il y a quelques jours, avec la nouvelle lune dans le signe du lion. Là, on arrive vers la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, donc courant septembre, ce sera le 17 septembre, la nouvelle lune. Donc, il est temps de mettre en relief justement les paradoxes dans votre vie, ce que vous souhaitez en termes de carrière, en termes de position sociale, en termes aussi d'efforts, là où vous placez vos énergies. Hein. Le Capricorne, c'est celui qui persévère, hein. C'est le signe qui persévère, c'est celui qui a la... on va dire le cuir, hein, pour endurer certaines épreuves. Donc là, vous réajustez avec ce paradoxe, vous mettez en lumière justement les choses que vous avez besoin de... dans cette transition, vous avez besoin d'abandonner pour effectuer cette transition, vous lâchez, vous ajustez, vous mettez en lumière. La souveraine avec l'eau, on est dans la reine d'eau ici hein, complètement, ça aurait été feu, j'aurais dit la reine de feu, mais là c'est la reine d'eau. Donc avec la souveraine et les signes d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, on est dans l'intuition, les émotions, l'inconscient, on est dans la réflexion, la purification et l'âme. Donc ici c'est vraiment écouter votre cœur, vous protéger de certaines énergies, transitionner, donc effectuer cette transition, et observez vos faiblesses, votre zone d'inconfort, vos hésitations, vos doutes, votre manque de confiance justement n'est plus, c'est ce que vous quittez. Vous quittez parce que vous avez su observer, vous avez su écouter. La reine, c'est celle qui possède la maîtrise, c'est celle qui écoute, c'est celle qui règne et qui décide. Donc là... dans votre sensibilité, vous avez justement perçu certaines choses, vous avez su effectuer les changements. Du coup, on va aller voir eh bien, ce que ça nous dit avec le Rider-Waite, donc le tarot de Marseille. Donc, je range tout ça, on fait de la place. Donc, je vais opérer, je vais faire un tirage en croix pour voir l'évolution ce week-end. Alors, week-end du 28-30 août, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? C'est le dernier week-end avant la rentrée scolaire, rentrée placée sous le signe de la bizarrerie. Hein. Là, on a le pendu qui est sorti. Donc, le pendu, je vais les remettre à l'endroit, ça ira mieux. Donc, une invitation à voir les choses d'un autre point de vue, sous un autre angle. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, en aide en obstacle, s'il vous plaît, ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a trop de cartes. On va garder celle-ci, justement, elles ne se sont pas retournées. Alors on a la mort et le 2 de denier. Donc justement, équilibré entre ses besoins et ses désirs, entre ce qui est utile et ce qui est inutile, s'ancrer dans l'instant présent aussi, équilibrer ses finances, donc faire mourir certaines choses. Voilà, c'est justement, on a le 12, on a le 13, hein, donc il y a vraiment une suite. Ça, c'est très bien. À court terme, qu'est-ce qu'on a? On a le
Alors, on a la papesse, oui, et le 6 d'épée. Donc, il y a une réflexion qui a apporté peut-être une réflexion silencieuse, mais justement, qu'est-ce qu'on doit quitter? Qu'est-ce qu'on doit faire mourir? Là, on a l'arcane sans nom. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire mourir? Et justement, ce raisonnement va vous amener la libération, la compréhension aussi de certaines choses. En dos de deck, on a quoi? On a le roi de bâton. Donc, après cette réflexion, vous allez justement passer à l'action. Je vais mettre ça en dos de deck. Allez, à long terme, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on a le 10 de bâton. Donc, à long terme, on quitte une difficulté, une sensation de galérer, une sensation de devoir toujours lutter, défendre son travail, que ce soit énergétique, son boulot professionnel, à la maison, avec les gens. Voilà, c'est dans les réactions ici. Donc, ça, vous le quittez, hein. C'est très bénéfique parce que justement, ça indique une fin de cycle et donc une amélioration considérable de la situation. Donc, ça, ce week-end, terminé. Et puis en synthèse, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a en synthèse? Hop, désolé pour le claquage des cartes, c'est le direct. Oh, alors on a le battleur et on a le 2 de bâton. Donc justement, prise de décision par rapport à une. Oui, il y avait une indécision, c'est-à-dire un ajustement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je quitte? Où est-ce que je vais? Quelle décision prendre ici? On est vraiment dans le commencement de quelque chose de nouveau, donc vous avez besoin peut-être aussi d'ajuster votre projet pour le mener à bien, tout simplement. En dos de deck, on a quoi? On a l'as de coupe qui parle d'un nouvel amour, qui parle de renouvellement des émotions, qui parle d'accueillir des émotions toutes fraîches. Donc c'est un peu comme si voilà, vous aviez des vieilles émotions que vous lâchez, des vieilles réactions aussi. Et donc là, si je puis me permettre, vous tirez la chasse d'eau et on renouvelle, on purifie. Donc ça, c'est très bien. Alors, je reviens dessus. Là, on a un changement de point de vue, c'est-à-dire qu'avec le pendu, on va voir les choses d'une autre manière. Justement, cette période où peut-être ça vous paraît bloqué ou ça n'avance pas, c'est comme un feu rouge dans votre vie, hein. C'est ce que je dis tout le temps. Depuis le début avec le pendu, c'est un feu rouge qui nous permet de faire autre chose parce que pendant que vous êtes à l'arrêt, il y a d'autres choses qui circulent. Et là, c'est pour faire mourir enfin, ce que j'ai besoin de faire mourir, il faut que je prenne ce temps d'arrêt, ce temps de pause pour justement. Eh bien, prendre les meilleures décisions. On a le 2 de denier, on a le 2 de bâton. Il y a un besoin d'équilibrer, il y a un besoin d'ajuster, voilà, de manier les énergies avec parcimonie parce que les prises de décision, elles seront après. Le commencement, il est après. Et là, vous sentez justement que vous êtes à cette charnière. Donc, vous avez besoin de définitivement vous libérer. Ça, c'est la carte de l'arcane sans nom, la mort. Vous avez besoin de faire mourir certains agissements, certains réflexes. Certaines réactions et s'ancrer dans l'instant présent, jouer d'ailleurs, parce que le 2 de denier va parler de jouer, de s'amuser, d'être dans l'instant présent et d'éprouver une joie enfantine, c'est-à-dire voilà, j'ai peut-être rien, mais je m'amuse bien. C'est le principe de la vie, justement, quand on est heureux, quand on est dans le bien-être, c'est parce qu'on est dans ces énergies-là. Avec la papesse et le 6 d'épée. Donc, on réfléchit justement, on va chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a besoin de connaître et d'apprendre. Avec la papesse, je dirais qu'il y a aussi la perception de nouvelles énergies. Vous comprenez les mystères. Là, on a la nouvelle lune, là, on a la pleine lune. Justement, vous avez passé tout un cycle et vous savez doser entre ce dont vous avez besoin, ce que vous devez quitter. Je disais, hein, la pleine lune, c'est l'ajustement. Voilà, je fais le point, j'élimine tout ce dont je n'ai plus besoin, j'ajuste et je travaille jusqu'à la résolution, le résultat de ce que j'ai voulu. Là, on a l'action, hein, qui va se mettre en place, donc très bien. Donc une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez le bon raisonnement, vous pourrez quitter, hein. Justement, le 6 d'épée, il indique qu'il y a une mort énergétique d'une manière de penser, c'est-à-dire je ne réfléchis plus comme ça. Maintenant, je me suis dépouillée de tout ce dont je n'avais plus besoin et je quitte une sensation de toujours galérer avec ce 10 de bâton. Avec le 7 de bâton, c'était dans les réactions face aux autres. C'est-à-dire que là, vous n'avez plus besoin à long terme de réagir comme ça. Puisque le nettoyage est effectif, eh bien, vous entrez dans un nouveau cycle. Avec le battleur et le 2 de bâton,
Le 2 de bâton va indiquer quand même que vous cherchez votre voie, c'est-à-dire la meilleure méthode pour agir, pour avancer. Mais vous allez la trouver parce que vous avez tous les ingrédients nécessaires et utiles pour avancer. Donc faites-vous confiance, étudiez, mettez-vous en retrait pour justement faire ce boulot de tri énergétique. Voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'abandonne, et ça va bien se passer. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors sur le plan de l'oracle dans le cas, je vais le tirer puisque on arrive dans les énergies de la pleine lune. Donc qu'est-ce que ça amène pour tous les signes avec l'oracle dans le cas? Donc quelle blessure va ressortir avec la pleine lune pour la plupart des gens, parce que c'est un tirage général, la plupart des gens qui regarderont la vidéo. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Alors... je le referai hein, de toute façon pour les énergies générales de la pleine lune. Donc je sortirai ça dimanche soir ou lundi matin, juste avant, hein, donc pour que vous puissiez travailler dessus. Blessure de l'enfance, ça m'étonne pas trop, ça ressort en ce moment. Hein. Il y a des choses qui ressortent au niveau karmique. Alors, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, comment ça se manifeste dans le chakra du cœur? Comment sont vos réactions? Oh, fuite des problèmes, ça a sauté. Enfant intérieur. Ok, et comment on nettoie ça? Eh ben, disons, visualisation avec l'ancrage aussi, on va le garder. Alors, je vais prendre le livret pour la fuite des problèmes. Les blessures de l'enfance, enfant intérieur, je pense que c'est assez clair. On va aller voir ce que ça nous dit avec la fuite des problèmes. Donc, c'est la carte 36. Cette carte vous indique que vous n'arrivez pas à faire face à des responsabilités ou bien à la conséquence de mauvais choix faits dans le passé. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à prendre pleinement possession de votre chemin de vie avec ses erreurs et ses problèmes sans en ressentir de peur ou d'appréhension. Donc faites-vous confiance. La visualisation, c'est tout simplement... eh bien, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte... Je cherche. Alors, j'ai dû sauter la page, je suis désolée. Alors, la visualisation, c'est la carte 48, c'est pourtant, je ne la trouve pas. Non, 40... ah, voilà, 46, pardon. Donc cette carte vous invite à nettoyer par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et vos références internes. Commencez par vous détendre, faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Par exemple, fuite des problèmes, enfant intérieur. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire, sentiment de sécurité affective à tout instant. Vous pouvez refaire cette visualisation si vous en ressentez le besoin autant de fois que nécessaire. Donc voilà les petits outils avec l'oracle dans le cas. Alors on va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Hop. Alors l'ancrage, bien sûr, j'en ai parlé avec le 2 de denier. Ici, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regarderont la vidéo de ce week-end, s'il vous plaît? Alors ça, hop, une révélation à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Ça, je range parce que j'en veux une par une, s'il vous plaît. Allez, les énergies de ce week-end, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, quels sont les messages sur le plan sentimental. Ici, on vous alerte hein, par rapport à des disputes, déceptions, peut-être voilà, des colères. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a une période de froid suite à des disputes. Et là, on vous dit attention, enfin attention. Il va y avoir un retournement de situation. Là, avec le point d'exclamation, ça va être plutôt une surprise et du coup, une élévation.
Donc en regardant aussi pourquoi vous avez ce mécanisme de dispute, de défense, avec le verre brisé, on peut parler même de séparation, de pause, eh bien vous allez trouver la solution, c'est-à-dire mettre fin à l'hiver et retrouver la sérénité en amour. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Ça, c'est très intéressant. Alors, je vais les mettre en dessous. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Là, on va mettre ça là. Alors, on a sexualité, enfermement, amitié. Ouais, ça ne me parle pas. Je les remets. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui va se révéler ce week-end, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent la vidéo? Décidément, elles veulent tomber par trois. Hein. Bon, je vais les garder. Enfant, échec, retard. Ici, c'est l'enfant intérieur où justement, il y a une problématique d'enfant qui ressort et qui met en échec dans le sens où ça perturbe et ça retarde le bon avancement des choses. Justement, vous invitez à vous dépouiller, donc à voir les choses autrement. Et dans vos rêves aussi, vous avez des messages, vous l'avez dit au début, écoutez bien vos rêves, observez-les, notez-les, parce que vous avez des symboliques, vous avez des messages aussi qui ressortent. Ici, l'enfant, bon, quand j'ai vu la carte, ça résonnait avec le tirage que je viens de faire avec l'oracle d'Anka, donc forcément, l'enfant intérieur peut mettre en échec certaines choses parce que c'est lui qui s'exprime, donc prenez-le par la main, rassurez-le, faites un nettoyage, revenez sur des blessures du passé, des blessures de votre enfance qui peuvent justement vous mettre en échec et retarder la bonne marche de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec la triade? On va aller compléter ça hein, quand même. C'est intriguant là ce qui ressort ce week-end, je trouve que c'est très cohérent. Alors ici on a l'oméga, donc fin de cycle. Alors je vais mettre ça là, comme ça. Donc fin de cycle, femme, intuition, forcément. Adversaire, donc écoutez, on vous dit d'écouter ce qui vous retarde là. L'adversaire, ça peut être soi-même. Hein. L'adversaire, c'est bien sûr la carte du diable. On voit avec les symboliques, la symbolique satanique ici, avec le 666. L'adversaire, c'est vraiment celui qui nous met en échec, celui qui est... enfin, auprès de qui on est sous l'emprise, donc une emprise négative. Là, je dirais que c'est en écoutant justement cet enfant intérieur que vous allez comprendre certaines blessures, vous allez comprendre certains mécanismes qui vous entravaient, qui vous retardaient, qui vous mettaient en échec. Donc, écoutez bien votre sensibilité. Comme mes tirages ne sont pas genrés, la femme, on va parler d'intuition, de sensibilité, d'écoute. L'homme, on va parler d'action. Et puis là, on vous dit que vous avez la solution avec la clé. Donc, il va y avoir un déblocage de la situation, justement parce que vous allez trouver les bons outils, la bonne clé pour débloquer la situation. Alors, avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore cette notion d'écouter son intuition, sa sensibilité. Lâcher prise aussi, on vous dit de lâcher prise par rapport aux choses. Ici, on a quoi? Le don. Vous avez un don aussi intuitif, donc servez-vous-en, ayez confiance. Vous avez l'âme sœur hein, qui apparaît, mais soyez aussi à l'écoute de votre âme pour coller à qui vous êtes réellement. Voilà, et on vous dit, hein, soyez vous. Voilà, j'ai regardé la carte au même moment. Vous êtes vous. Ok, donc... Jouez, amusez-vous. Là, on a l'homme. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez passer à l'action. L'action qui va... Enfin, ce qui va vous permettre de vous servir de ce levier hein, d'énergie, d'action, etc., ça va être le pardon. Ça ressort beaucoup. Alors, le pardon, ça va être justement l'outil... ça va être ce qui va vous permettre de nettoyer. Maintenant, j'ai envie de vous dire, ça ressort beaucoup parce que si il est temps de le faire, en fait, si vous ne pardonnez pas à votre ex, à vos parents, à votre passé, à votre ancien chef, etc., ça va revenir de plus en plus fort et ça va pas faire du bien. Donc ici, écoutez bien. Justement, les messages de vos rêves, vous avez la solution. Peut-être même que vous rêvez toujours de la même chose et on vous dit que la clé est dans vos rêves. Moi, c'est vraiment la résonance que j'en ai. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle lumière? On va aller mettre ça en lumière quand même pour ce week-end.
Alors, l'homme, eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y a l'action hein, encore. Vous allez avoir des nouvelles aussi peut-être de quelqu'un, ou quelqu'un va passer à l'action et vous donner des nouvelles, ou vous allez donner des nouvelles à quelqu'un, donc vous allez passer à l'action. Les deux configurations sont possibles. Alors là, on a les idées mélancoliques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque, hein, la sexualité. On l'a vu tomber tout à l'heure, je l'avais remise dans le paquet, mais je l'ai gardée dans un coin de ma tête. Justement parce qu'il y a un manque charnel. L'adversaire, le diable, ça peut être aussi voilà, le rapport à la sexualité, au désir charnel, à l'attraction qu'on avait avec cette personne. Donc peut-être que justement, il y a des choses qui ressortent. On a l'intelligence, donc la bonne réflexion, c'était la combinaison entre la papesse et... je suis en train de sourire parce que je vois la femme en dos de deck. Alors bon, ce tirage, il se moque de nous. Enfin, il s'amuse avec nous plutôt. Mais ici, donc, entre le 6 d'épée et la papesse, je vous parlais de bonne réflexion, de savoir comment réagir en termes de mentalité. C'est, je quitte une pensée, je quitte un mode de réflexion pour justement comprendre, apprendre, étudier et percevoir les mystères qui se cachent derrière bien, tous les messages que vous recevez en rêve. Donc là, je souris parce qu'on a la femme. Là, on avait la femme, l'homme. Là, on a l'homme, la femme. J'ai envie de vous dire, voilà, les messages sont clairs. Je ne vais pas m'attarder dessus. Qu'est-ce qu'on a ici comme message? Allez, je passe au petit message maintenant. Oups, désolée pour le bruit, encore une fois. Allez, que la vérité soit. Donc ici, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. C'est ce que je vous disais au tout début avec l'oracle G. Il va y avoir une révélation, c'est-à-dire que là, avec la carte 14, on a aussi dans le... Il y avait le 12 du pendu, il y avait le 13 de l'arcane sans nom, et là on est dans le 14 de tempérance. Justement, on parle d'honnêteté, d'accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent et clarté dans la communication. Je vous en avais parlé aussi au tout début avec le signe du Gémeaux, la maison 3 du Gémeaux qui était sortie. Donc ici, voilà, exprimer sa vérité avec douceur, avec bienveillance, on avait le sage et la maison 3 du Gémeaux. Donc là, on vous parle de clarté dans la communication, de bienveillance, d'être honnête aussi. Donc là, il y a la vérité qui est l'essence d'une chose, puis il y a une vérité subjective suivant la philosophie de l'adhérent ou du croyant. Ce n'est pas un temps pour débattre de la vérité la plus vraie, c'est un temps où vous êtes appelé à affirmer votre vérité haut et fort et à accepter d'être transparent, honnête et ouvert dans vos communications avec autrui et avec vous-même. Pour vous libérer, vous devez vous soumettre à ce qui est enlever les couches de déni qui vous ont tenu dans l'illusion, rien de moins. Soyez authentique et glorieusement faillible et l'esprit vous répondra par des miracles. C'est pour ça aussi qu'on a une élévation. On a ici, alors on va aller chercher l'amour et la surprise. Donc voilà, écoutez bien votre intuition, écoutez vos ressentis, ça va payer. Vous allez avoir la vérité aussi qui va émerger d'une situation. Vous avez les signes, hein, on vous dit. Des signes rapides d'ailleurs. Les cartes sont restées collées à la table. Je pense que c'est un signe en soi. Donc voilà, que la vérité soit, c'est très bien. Ne redoutez pas justement les conversations que vous pourriez avoir parce que ça va vous faire évoluer. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît, comme message ? Alors, il est tombé tout de suite, la passion. Alors, la passion, j'avais parlé de Vénus en Lion, hein, qui arrive à partir du 5 septembre, donc ça ne m'étonne pas. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, allez-y, chantez la joie. Allez, chantez. Bon, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est une guidance qui est très cohérente dans les messages. Je ne vais pas en prendre plus, je vais juste prendre, eh bien, nos fidèles petits compagnons, les messages des anges. Et je termine la vidéo. Donc je vous rappelle hein, que je suis en train de sortir les vidéos des signes pour le mois de septembre. Donc restez bien à l'écoute. Activez la cloche justement pour ne pas perdre les notifications. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, je vous montre la petite améthyste qui est toujours devant vous pour vous aider justement à libérer certaines énergies. On y va avec un dernier message pour les célibataires, s'il vous plaît.
ça saute comme des petites sardines qui frétillent. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laissez les choses se passer comme elles doivent se passer. Et pour les couples, romance. Ah, attendez, je vais mettre ça comme ça. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà mes très chers, votre guidance du week-end. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes, des résonances, des frissons, pourquoi pas. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaitdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.